Le 17 août dernier, Karine Ferry avait annoncé la sortie de son livre « Une vie en équilibre » sur son compte Instagram. « Très fière de vous annoncer la sortie prochaine de mon livre de conseils de bien-être. Beauté, mode, forme, idées cuisine de ma maman, sur les endroits qui me sont chers en Bretagne et dans le Sud. Un livre qui se veut avant tout pratique, inspirant, je l'espère, et qui repose sur mon expérience, celle d'une maman qui essaie de gérer aussi sa vie professionnelle. Tout en gardant un peu de temps pour elle, avait-elle partagé. Une œuvre que ses fans ont hâte de découvrir. Trop hâte de le commander et de le lire surtout. Bravo ma Karine, bravo pour ce beau nouvel aboutissement professionnel, moi je te suis Karine. Je vais aller commander ton livre dans ma librairie de suite, tellement fière de toi. Il est déjà précommandé et j'espère qu'il sera dédicacé. Je le précommande dès aujourd'hui, bravo Karine, peut-on notamment lire dans les commentaires. Dans cet ouvrage, elle livre notamment ses conseils bien-être, mode et beauté. Mais pas que. Elle se confie également sur une thérapie qui l'aide à lutter contre la mélancolie. Notamment lorsqu'elle travaille à Paris, loin de chez elle dans le Sud. Si son livre ne sort que le 7 octobre prochain. Femme actuelle se l'est procurée en avance. Elle évoque notamment la psychothérapie. Une thérapie inventée par l'animatrice de télévision. L'été dernier, j'ai enregistré sur mon téléphone le chant des cigales, écrit-elle. Maintenant, dès que je suis un peu fatiguée, ou déprimée, j'écoute cet enregistrement. Qui me comble de bonheur. Un vrai remède à la mélancolie, confie Karine Ferry. Ce processus lui rappelle le Sud, d'où elle vient. Quand je rentre dans le Sud, l'une des premières choses que je fais toujours, c'est d'aller me promener dans le massif de l'Estérel, pour admirer ses roches rouges. Raconte-t-elle. C'est pour elle, sa clé du bonheur.